Ici FeuDRMS pour le quatrième tuto du guide RPG Maker VX6. Alors, à la fois précédente, nous avons appris comment relier deux cartes entre elles par une téléportation. Et nous avons découvert le concept des interrupteurs avec notre PNJ qui répétait sans cesse les mêmes choses. Pour cette quatrième partie, nous allons découvrir un autre événement rapide que la téléportation, le coffre. Et puis essentiellement, nous irons découvrir la base de données, un petit peu les coulisses de votre jeu, puisqu'il y aura tellement d'options possibles à modifier, des éléments de gameplay comme ça. Donc nous allons créer un coffre et puis découvrir la base de données. Donc, on va commencer par le coffre. Les événements rapides sont accessibles via clic droit, événement rapide. Nous avons découvert rapidement la téléportation. Nous n'avons pas encore vu ni la porte, qui est un peu pareil que la téléportation, ni l'auberge, qui est toute autre chose. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le coffre. Ou raccourci clavier, CTRL 3. Cette fenêtre apparaît, et vous avez le choix. Vous pouvez choisir l'apparence du coffre. Ou même mettre un personnage, mais la logique, elle aurait disparu. Par rapport au contexte du lieu, je mettrais bien ce coffre en bois. Dans ce coffre, vous pouvez mettre des sous, un objet, une arme, une armure. Les débutants se contentent d'un seul type d'objet dans un coffre, alors qu'il est possible de mettre plusieurs. Je peux mettre par exemple de l'argent et une arme. Un objet, une arme et une armure. Ou les quatre, ou même à l'heure par exemple. Donc par exemple, je vais mettre combien de sous? La monnaie est en G, mais on verra plus tard dans la vidéo comment modifier votre monnaie. Je vais mettre bien 100. Un coffre est apparu à côté du lit. Si j'accède à cet événement, 100/G, c'est un moyen rapide pour remplacer, pour mettre le nom de votre monnaie. Parce que si vous mettez, si avant vous mettez 100 € et puis que vous passez en dollars, ça va toujours afficher 100 €, puisque c'est du texte fixe en quelque sorte. $G/G prendra le nom de la monnaie. 100G. Un coffre, ça se fait comme ça. Interrupteur local, on a déjà vu la fois précédente ce que c'est. C'est pour empêcher le joueur de rouvrir une nouvelle fois le coffre et d'obtenir une nouvelle fois les 100G. Sauf que mon exemple est un peu plus compliqué, hein, avec le PNJ. On retourne en arrière. Là, ça, il restera définitivement tel quel. Alors. Ah, ça me donne une idée pour faire quelque chose d'intéressant. J'ouvre le coffre. Et après, si je veux le refermer. Juste pour par esthétique. Je dois recourir à un interrupteur local une nouvelle fois. Nous en avons 4 disponibles. A est déjà réservé pour l'ouverture du coffre. Alors nous allons utiliser le B pour le refermer. Et puis nous allons aussi désactiver le A. Ou pas, je ne sais pas trop. Désactiver le A, oui. Pour aller plus vite, copier page, coller page. Dans l'apparence, je vais reprendre le coffre fermé, ici. Condition de déclenchement, si B est activé. Si B est activé, alors je désactive B, j'active A. Un petit peu comme notre histoire de porte ouverte, porte fermée avec le PNJ. Hein. Soit le coffre est ouvert, soit il est fermé. Et par esthétique, je veux bien remettre ça, copier plusieurs commandes d'événements. Vous pouvez faire avec Shift haut et ou bas. CTRL-C pour copier.
Contrôle V pour collège. Et puis là, c'est un peu spécial pour le coffre. Direction fixe off, tourner à gauche, tourner à droite. Nous, c'est dans l'autre sens, puisque nous fermons le coffre. Tourner à gauche, droite, tourner à gauche. Faites demi-tour. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ces petites coquilles peuvent avoir quand même des répercussions. Là, je ferme le coffre. Et puis là, je vais faire pareil, on va le rouvrir. Mais cette fois-ci, la commande, elle est exacte. Hop, hop. Juste pour voir. Désactivons quand même les musiques. Nous avons notre PNJ, nous montons un coffre. 100J obtenu. On ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. C'est juste un effet de style personnel, hein. Vous n'êtes pas vraiment obligé de le faire. Nous redescendons. Bon, le coffre, c'est terminé. On passe à la base de données. La base de données, c'est en quelque sorte... Comment bien l'expliquer? Comment dire? J'allais dire que c'était un peu les coulisses de votre jeu, mais c'est un peu compliqué à comprendre. Base de données, c'est quoi? Comment en fait? Qu'est-ce que c'est alors? Comment dire, j'ai expliqué dans la vidéo précédente que c'est un peu un mode d'emploi en fait. Puisque vous pouvez... ça marche pas trop. Donc je préfère passer au schéma tout de suite, je comprendrai mieux. Donc une base de données, ça vous permet d'ajouter ou d'enlever des éléments qui auront des répercussions sur le gameplay directement. Comme ajouter des personnages, ce qu'on appelle héros dans le logiciel. Des classes, comme des catégories de personnages, des attaques, des compétences, des objets, des armes, des armures, des monstres, des groupes de monstres, et des statuts, des états statuts, empoisonnés, paralysés, gelés, équivalents. Oh, ce que j'ai fait. Et puis aussi, une partie plus technique. Vous pouvez modifier des animations d'attaque, modifier les tilesets, créer des événements communs, modifier un petit peu l'agencement de tout ça, comme par exemple les attributs des compétences feu, eau, glace, vol, je pense à Pokémon moi. Feu, eau, glace, ténèbres, lumière, vent, terre, lumière, et d'autres, si vous êtes imaginatif. Les catégories d'armes, les haches, les sabres, les armes blanches, les couteaux, les arcs, les sceptres, tout ça. Les armures, les légères, les lourdes, les magiques, les boucliers, les accessoires, les monstres. Bon, ça va pas avoir de répercussions directes dans le système. Les groupes non plus, les états non plus. Le lexique, c'est là où vous pourrez modifier par exemple votre monnaie de jeu. Comme j'ai expliqué avec le backslash G. On va voir rapidement ce que c'est. Donc la base de données s'accède ici, F9. Alors, tous ces onglets ont une utilité. Les personnages du jeu, les personnages jouables, par défaut, ils sont 10. Et si on prend les initiales, ça fait ENTERBRAIN, l'éditeur du logiciel. Un easter egg s'appelle les classes. Généralement, par logique, chaque personnage est associé à une seule classe. Puisque chaque classe partage des points de vie et tous des statistiques. Si, des statistiques typiques à la classe. Les aptes compétences, les aptitudes. Une forte recommandation de ne pas toucher. Tout ce qui est entre 1 et 7. C'est important quand même. Puisque
D'après les scripts, un monstre attaque, lance l'attaque une. Tout simplement. Je sais pas, par exemple, si je mets guérison en 1, ça va faire tout le temps guérison par défaut. Et même si le personnage, au lieu de faire attaquer, tout simplement, il va faire guérison à chaque fois. C'est pas très bien, personnellement. Les objets. Chaque objet a une catégorie normale ou objet clé, a un prix. Est-ce qu'il est consommable? Qui est visé par l'objet? Quand peut-on l'utiliser? Et puis voilà. Les armes, comme j'ai dit, sont triées par catégorie. On a les haches, les griffes, les lances, les épées, les katanas, les arcs, les dagues, les couteaux, en fait, les marteaux, les bâtons, les armes à feu. Ah, les armes à feu, c'est cool. Mais bon, il n'y a personne dans les héros par défaut qui l'utilise. Les armures, c'est armure générale, magique, légère. Ah, légère, c'est tout ce qui est pas vraiment habit, c'est plutôt les casques et tout ça. Armure lourde. Les petits boucliers, les gros boucliers, les accessoires. Les monstres. Chaque monstre a des points de vie, une attaque, une défense, et tout ça, et tout ça, et tout ça. On verra ça plus tard. Les groupes de monstres. Par exemple, affronter deux squelettes. On va chercher le squelette, on en met deux, et ça fait un combat. Les statues. Le premier, c'est forcément mort. Faut le laisser à tout prix. De toute façon, c'est marqué là. Après, ah, puis, un petit bonus. Immortel, c'est ambigu comme terme. Immortel, c'est pour toutes les attaques qui infligent directement la mort comme statue, comme là. Par contre, ça ne protège pas des points de vie qui atteignent zéro en une attaque normale, par exemple. Les animations de combat, quand vous lancez une attaque, un effet sur l'écran. Les tailles 7, pas vraiment besoin d'expliquer. Les événements communs, ce sont des événements accessibles et exécutables à tout moment. Je crois que ça pourrait être bien comme sujet pour après. Ça peut être utile. Système, l'équipe de départ, le nom de votre jeu, que vous pouvez modifier à tout moment. La monnaie du jeu. On remplace les G par. On remplace les G par quoi? Par les euros. Par contre, je vous invite à mettre un espace avant. Espace euro, parce que sinon ça fait ça accoler, ça va être bizarre. Vous pouvez modifier la couleur de la fenêtre de message. Les fenêtres tout simplement. En essayant de rester cohérent par rapport à la couleur de votre texte, sinon on ne verra pas grand-chose. Comme ça. Des musiques, écran titre, combat, victoire, game over, radeau, bateau, air, vaisseau. La position de départ, vous pouvez modifier, soit vous pouvez faire soit clic droit, et un placement de départ, équipe, radeau, bateau, vaisseau, ou bien directement comme ça. L'écran titre. Tout simplement, et vous avez le choix de mettre ou pas le titre de votre jeu en haut. C'est pas très recommandé, l'option n'est pas très recommandée pour les écrans titres bien personnels. Les effets sonores, les petites options. La réserve reçoit de l'XP, de l'exp. Ça veut dire que. Comment dire? On va prendre un exemple concret, Pokémon. Votre Pokémon, je ne sais pas moi, un Dracaufeu. Élimine un autre de Pokémon. Inverse. Pouf! KO. Sans l'option, il n'y a que Dracaufeu qui reçoit de l'expérience. Si l'option est cochée, les autres Pokémon de votre équipe qui n'ont pas participé reçoivent la moitié de ce que Dracaufeu gagne. Si on reçoit 2000 points, la réserve gagne 1000. Je crois que c'est ça dans les scripts. Le mode chenille. C'est une option que j'aime pas trop, moi. Par exemple, votre personnage, votre chenille, elle marche. Après, votre héros, il doit sauter. La chenille, elle ne le suit pas. Héros transparent, c'est plus pour des intérêts de cinématiques introductives.
initialisé MIDI au démarrage. Je ne sais pas te la recommander non plus. Enfin, j'ai pas trop compris pourquoi, à quoi ça sert. Je crois que ça a un rapport avec les fichiers MIDI, puisque je crois qu'ils ne sont pas importables directement. Mais ça, c'est une autre histoire. Le lexique, c'est tout votre vocabulaire. Les éléments d'attaque, les types d'armes, les catégories de compétences, les spécialités magiques, les types d'armures, votre vocabulaire, les menus et tout ça. Hop. Donc, cette visite de la base de données s'est bien passée. On se retrouve pour la cinquième partie, où cette fois-ci, je crois que je pourrais expliquer les événements communs, comment les mettre en pratique. Et puis aussi, je crois que je devrais créer un nouvel intérieur, l'extérieur de la maison, pour y mettre en pratique. Pour mettre en pratique quoi? Les combats, je dirais. Le truc le plus intéressant au monde sur VX, sur les RPG Maker, les combats. À bientôt pour de prochaines aventures et du découpage de squelettes.